Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et tous les autres. Vous êtes tous le bienvenu. Tous ceux qui parlaient cette langue de Molière et qui essayaient de la parler et de la comprendre, vous êtes le bienvenu dans cet univers de Freedom News Network qui est essentiel et unique. Merci d'être là de plus en plus nombreux et fidèles. Ceux qui m'envoient des liens, des messages, merci infiniment. C'est le 6 mai 2019, 15h38, heure du Québec, avec Mars et son méthane qui s'approfondit, le mystère de son méthane qui s'approfondit. On va aller voir ça tout de suite, mais avant, naturellement, les extraterrestres, la vie évoluée, hein, l'intelligence de l'au-delà nous intrigue et intrigue depuis très longtemps, mais peut-être que nous sommes nous-mêmes ces extraterrestres. Et quand on regarde la Terre, quand on regarde ce qui est autour de la Terre, on peut comprendre que on soit venu d'ailleurs et que cet ailleurs-là ait pu être en péril et qu'on y soit parti, on est quitté, on soit venu coloniser. Moi, je suis complètement convaincu que ça peut ressembler à ça. C'est des convictions personnelles, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a été, on est venu d'ailleurs, qu'on n'est pas des créations de la divinité. Peut-être que les créations de la divinité sont, justement, c'est tous ces êtres vivants partout. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Mais quand tu regardes la technologie, quand tu regardes où on en est rendu, je pense pas que ce soit des petits personnages inconnus du fond de leur ferme et de leur champ qui ont découvert ce qu'on a comme technologie. Je pense que c'est arrivé au compte-gouttes. On a laissé aller ça au compte-gouttes. Naturellement, pour démontrer une évolution, pour ne pas choquer les gens. Mais j'ai l'impression que tout ce que vous voyez là, c'est juste la pointe de l'iceberg et que le meilleur est à venir. Enfin, ça c'est une hypothèse, tout le monde a son hypothèse, puis elle est valable tant ou aussi longtemps qu'elle ne sera pas contredite par les faits. Chers amis, on va aller voir cette histoire sur Mars. Vous savez que le méthane, hein, on en produit beaucoup, la vie produit du méthane, et on avait découvert du méthane. Et là, c'est redevenu un peu mystérieux parce que ça semblerait qu'on ait perdu les traces de cette présence de méthane dans l'atmosphère de Mars. Méthane qui avait été détecté en 2013 par le robot Curiosity de la NASA. Résultat apparemment confirmé par l'ESA en orbite autour de Mars Express le lendemain. On peut voir ici des images de ce méthane. Et la question est si intéressante parce que la vie est un important producteur de méthane sur Terre, ce qui conduit à des spéculations intrigantes sur le fait qu'une sorte de vie, peut-être une vie microbienne, crée du méthane sur la surface de Mars. Des sources de méthane non biologiques sont également possibles. La photo montre le premier panache de méthane déclaré au-dessus de Mars. Donc, la nouvelle non-détection du méthane par ExoMars Orbiter pourrait signifier que Mars dispose d'un moyen inattendu de détruire le méthane ou que seules certaines parties de Mars libèrent du méthane et peut-être seulement à certains moments. Donc, ça aurait devenu mystérieux cette histoire-là. À mesure que le mystère s'approfondit, le regard de l'humanité sur l'atmosphère de notre planète voisine s'approfondira également. Donc, la vie extraterrestre est peut-être plus proche qu'on le pense. Et je ne serais pas étonné qu'on soit venu d'ailleurs pour coloniser cette planète. Hein? Vous avez vu de quoi cette planète a l'air, hein? très accueillante. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait des gens de différentes nations extraterrestres, vous n'avez qu'à regarder les différents empires terrestres et les différents visages aussi. Enfin, tout ça c'est intéressant, il faut bien s'amuser, mais il y a un petit bout de sérieux là-dedans. Je vous reviens.